Elvire Teza et de l'usine Furnon. Voici la barre fixe de très très haut niveau maintenant, mon cher Philippe. Je dis Philippe, mais aussi bien les autres, hein, Franck et Abel. Attention, Casimir, c'est un artiste. C'est le petit ou le grand frère de Vladimir? C'est le petit frère de Patrice. Oui, oui. Il a arrêté la compétition. Hein. Attention. Il avait des premiers lâchés de barre. Oh là là, qu'est-ce qui me déçoit aujourd'hui, Casimir? Ah mais c'est ça, c'est... à l'entraînement ça passe toujours bien, et puis le jour de la compétition, bah, c'est le stress, c'est trop de pression. C'est la deuxième fois, aux Arçons aussi. Les filles. Aux Arçons, il a eu un relâchement, même programme à la barre fixe. Eric, il est programmé un petit peu le matin quand il se réveille. Si c'est un bon jour, tout va bien et c'est impeccable. Si c'est dans un mauvais jour, alors on peut s'attendre au pire, malheureusement. Ça, c'est un petit point faible auquel il faudra bien qu'il remédie un jour. Il va falloir qu'il travaille particulièrement dans ce domaine. Qu'est-ce qu'il dit? Mais je pense que la gymnastique n'est pas un sport robotisé. On est humain avant tout, et qu'il y a des jours où on est meilleur que d'autres. C'est ça aussi la gymnastique, hein. C'est le sport. Absolument. Donc là, il a posé quelques questions à son entraîneur pour savoir ce qu'il devait faire maintenant. Puisque ça l'a quelque peu déstabilisé. Oui, jambes serrées. Rattrapé de justesse. Catch, jambes serrées. Préparation pour la sortie. Voilà, tout de suite. Tout l'arrière tendu avec une grille dans le chat. C'est ça. Alors il a considérablement raccourci le mouvement, on l'aura bien remarqué, hein, puisque une chute ne lui permet plus de monter sur le podium, bien sûr. Alors il a terminé, je dirais, un petit peu par courtoisie, son exercice. Pour le respect de son public aussi, beaucoup, et puis pour... Voilà. Il faut un mental extraordinaire pour se relancer comme ça. Hein. Ah, c'est clair. Mais le public est là pour vous donner cette pêche, pour remonter, et puis l'amour de la gymnastique aussi. Hein. Je crois que c'est vraiment le plus beau sport du monde. Regardez bien. Voilà, quand il a amené les pieds près de la barre, il avait le bassin trop bas. Trop bas. Ça l'empêchait, bien sûr, de remonter. Erreur technique. Non mais Philippe en conviendra, lui qui a connu la gymnastique de très près, le sport c'est pas du playback. Hein. Ah non, c'est clair. Mais la chanson non plus c'est pas du playback, c'est dans certaines émissions, pas effectivement. Toujours, pas toujours. C'est clair.